Coucou les filles, aujourd'hui petite vidéo sur mes essentiels pour scraper. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise tout le temps pour scraper. C'est des petits outils que j'ai toujours, toujours, toujours à côté de moi, que je me sers tout le temps. Alors j'ai préparé donc vous voyez ma petite panière comme ceci. Alors on va démarrer déjà par mes crayons de bois. Ça, c'est l'outil que j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, vous allez me dire, oui, Sylvie, tu as beaucoup de crayons de bois. Je collectionne les crayons de bois. J'adore les crayons de bois, mais pas n'importe lesquels. Il faut que ce soit des crayons de bois, vous voyez, ronds. Je n'aime pas les crayons de bois. Alors, est-ce que j'en ai un par là? Vous voyez, tenez, comme c'est celui-ci, il a de la colle. Octogonaux là, octogonal là, vous voyez, à plusieurs côtés. Ça, je n'aime pas, ça m'abîme les doigts. Je collectionne que les crayons ronds comme ceci. Alors, vous voyez, j'en ai une petite collection. J'en ai deux que j'ai ramenées de vacances, quatre que j'ai ramenées de vacances. Ces quatre-là, je les ai ramenées de vacances. Voilà, quand j'ai été dans le Périgord. Et puis ça, c'est des crayons que j'ai trouvés à droite, à gauche. Voilà. Je suis une dingo de crayons de bois. Donc voilà. Donc ça, je mets ça dans mon petit pot. Ensuite, élément indispensable, mes ciseaux. Alors, mes ciseaux, j'en ai trois sortes. Alors, j'ai le grand modèle pour couper les grandes bandes. D'ailleurs, si quelqu'un a une petite astuce à me dire, parce que vous voyez, sur mon ciseau, j'ai plein de colle. Alors, j'ai essayé au dissolvant, j'ai essayé. Ah, j'ai pas essayé à l'essence sève, tiens, j'en ai pas en plus. J'ai essayé au white, j'ai essayé à plein de trucs, et puis bah, ça reste, vous voyez. Et là, du coup, bah, je peux plus m'en servir parce qu'il colle. Enfin bref, donc un grand ciseau comme ceci, un plus petit pour les plus petites surfaces, et j'ai deux petits ciseaux de précision, parce que j'en avais perdu celui-là, il était resté dans mes fleurs, je le trouvais plus, donc j'en avais acheté un autre, donc du coup, je me retrouve avec deux petits ciseaux. Donc voilà, ça, trois petits ciseaux pour couper. Ensuite, qu'est-ce que je me sers? La colle. Alors, la colle. Alors, la plupart du temps, comme vous avez pu le voir, j'utilise mon pistolet à colle chaude. Ça, c'est mon indispensable. Je n'utilise quasiment que de la colle chaude. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète un autre parce que celui-là est dans un piteux état. Je ne sais pas du tout quoi prendre comme pistolet à colle. J'hésite avec le Bosch. Celui qui est rechargeable, mais je sais pas. Il est assez cher, donc je sais pas. Je réfléchis encore. Je vais peut-être demander ça pour mon anniversaire, je sais pas. Donc, pistolet à colle. Ensuite, j'utilise trois sortes de colle. Donc, j'utilise la Tati Glue. J'utilise une colle que j'avais achetée chez Cultura. Hein, donc, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Et de temps en temps, j'utilise la scotch. Mais ça, c'est très rare parce que j'aime pas, elle coule. Donc, je trouve pas ça pratique. Donc ça, c'est vraiment de temps en temps. Ensuite, toujours pour rester dans la colle, j'ai toujours à côté de moi mes doubles faces. Alors donc, j'ai le moyen épaisseur. Ça, c'est le tout fin, tout fin, tout fin. Et j'ai celui-ci qu'on utilise voilà, assez régulièrement. Et j'ai les tout petits comme ça pour quand je fais des rosaces, pour des envois ou que... J'ai des petits papillons à mettre. Hop, je mets des tout petits comme ça. Voilà. Ensuite, élément indispensable que j'ai toujours avec moi, la règle. Ma petite règle. Voilà, j'ai une petite règle que j'avais achetée chez Cultura, il me semble. Elle est très très bien. Elle est quadrillée et tout. Très très bien. Ensuite, ah oui, pour revenir à la colle, j'utilise ça aussi de chez Action. Vous savez, les rouleaux là, comme ça. C'est pas mal aussi. Ça évite de faire des gondoles sur les papiers, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Mon taille-crayon pour aller avec mes crayons. Vous voyez, c'est un taille-crayon de compète hein, que j'ai. Hein. Vous voyez? Il est électrique. Alors, je vous fais une petite démonstration si vous voulez. Donc, c'est un taille-crayon que j'avais acheté chez Amazon. J'avais dû payer dans les 9,90 € il me semble. Mais il est pas mal, hein, il est bien. Donc ça va faire un petit peu de bruit. Je vous montre, je vous mets le crayon. Vous mettez, et hop, votre crayon est taillé. Vous voyez? Hop, voilà. C'est nickel.
Donc je le pose sur mon bureau, il est toujours à côté de moi. Voilà. Mon scotch, voilà, que j'avais acheté chez Action, ça c'est pareil, je m'en sers souvent de mon scotch, même quand je fais des dyes, des choses comme ça, je mets un petit morceau de scotch pour pas que ça bouge. Il est toujours avec moi. Qu'est-ce que j'ai encore? Des petites pinces, ça j'ai toujours à côté de moi aussi des petites pinces, parce que quand je fais du collage, des fois ça m'arrive de mettre les pinces pour que ça colle plus vite. Qu'est-ce que j'ai avec moi? Ma petite brosse, alors ça c'est quand je fais des découpes d'ail. Après vous savez, vous enlevez avec le petit outil comme ça, ça c'est pareil, c'est un petit outil que j'ai toujours avec moi dans mon petit pot pour enlever, vous savez, quand vous faites des découpes, pour enlever les tout petits bouts de papier là qui nous gênent. Et après je nettoie, hop, derrière je nettoie avec ça et ça enlève les petits papiers, nickel. Ce que j'ai toujours avec moi aussi, c'est mes petites pinces. Mes petites pinces à épiler. Ça, c'est un indispensable quand j'ai souvent. Je les utilise souvent quand je fais mes demi-perles pour rattraper les demi-perles. Parce que moi, j'ai des gros doigts et du coup, j'ai un peu de mal. Donc, j'utilise ça. Qu'est-ce que j'ai toujours? Ma petite pince pour faire les œillets. Pour faire, vous savez, pour mettre, enfin, les tout petits trous. On met un petit œillet avec un petit ruban. Bon, ça, j'ai toujours à côté de moi aussi. Qu'est-ce que j'ai toujours à côté de moi? Ma petite perforeuse, en général, je la laisse toujours sur mon bureau, celle-ci, parce que j'aime bien faire des petits ronds. J'ai souvent besoin de petits ronds pour mettre derrière mes rosaces. Ou, voilà. Ça, j'aime. J'ai une autre taille, j'ai la plus grosse, mais j'utilise souvent celle-ci. Donc, elle est toujours à côté de moi. J'ai toujours aussi ma perforatrice de bordure. Bon, j'en ai qu'une, hein. Mais celle-ci, je l'utilise très souvent, donc je la laisse dans mon petit bac. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Toujours mes perles aussi. Dans mon petit tiroir, j'ai toujours mon métrage de perles. Ça, c'est des perles que j'ai achetées chez Wish. Je crois qu'il y en a 10 mètres. J'ai dû payer ça 2 euros, je crois. Alors, elles sont assez fines. C'est vrai que quand je les colle à la colle chaude, elles ont tendance des fois à pas tenir. On est obligé de les recoller. Mais bon, souvent, j'en mets pas non plus une grande longueur. Donc, sur les petites longueurs, ça tient bien. Mes petites perles. J'ai toujours des petits bâtonnets de colle chaude à côté de moi. Parce que ça part à une vitesse phénoménale. Qu'est-ce que j'ai toujours à côté de moi aussi? Mes petits glitters comme ça. Parce que ça, j'en utilise pas mal. Voilà, ça, mes petits glitters comme ça. Ça, je les ai toujours à côté de moi dans mon petit pot. Parce que ça, pour mettre sur des petites fleurs, des choses comme ça. Bon, je vous dis, j'utilise toujours les mêmes, hein, or et argent. Les autres, je les utilise pas trop, mais bon, c'était les cinq étaient vendus ensemble. Donc ça, j'ai toujours avec moi. Et j'ai toujours aussi dans mon petit pot un crayon comme ça, mon crayon or et mon marqueur pour mettre sur les envois. Donc ça, c'est pour marquer sur les enveloppes quand je fais mes envois. Ça, c'est pour souvent, j'écris en couleur or pour mettre vos petits mots dans vos envois. J'écris souvent en couleur or. Ou alors, j'ai mon petit crayon comme ceci que j'avais acheté à Action. J'en ai un autre aussi, j'en ai un gris comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'utilise assez souvent aussi? C'est ce petit outil-là pour faire les fleurs. Vous savez, le petit tambouron là, comme ça, là. Et hop, vous faites vos fleurs comme ça, là, et ça vous fait des petites fleurs un petit peu recourbées. Vous voyez, je vous ferai une démonstration de ça. Je vais vous en faire des petites fleurs comme ça. Je vous montrerai. Donc ça, bon, mon plioir, hein, ça j'ai toujours aussi à côté de moi. Bon, il est dans un piteux état. Il faut que j'en rachète un parce qu'il est tout plein de colle et tout. Parce que souvent, quand je fais des fleurs en dentelle, ben, je colle ma dentelle avec ça pour ne pas me brûler. Mais vous voyez, il est dans un état maintenant. Pitoyable. Donc voilà les filles, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer, tous mes petits indispensables. Donc je remets tout, je vais vous remontrer ma petite panière, hop, tous mes petits crayons de bois, voilà, mes ciseaux, hop, je remets tout dedans. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu. Bon, après je pense qu'on travaille tous à peu près avec le même matériel. Donc voilà, ma petite panière où je range tous mes petits indispensables, voilà, que je mets devant mon bureau. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des gros bisous. Bye bye.